Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton petit ami, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme et l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi ces querelles? La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Steve Jobs a dit, « Devant la mort, nous sommes tous nus. Rien ne peut nous en préserver. » Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études, de leur célébrité ou de leur possession matérielle. Il n'y a rien que nous pourrons obtenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais eu. Le bureau que tu occupes aujourd'hui, quelqu'un l'occupait hier et quelqu'un l'occupera demain. Je ne sais pas qui cette personne pourrait être. Il n'y a qu'une seule chose qui vaille la peine dont on peut se vanter les privilèges. La vie. La vie telle que donnée par celui qui a tout créé. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Dit-on. Alors comporte-toi bien à l'égard de tes semblables et lie-toi d'amitié avec eux. Rappelle-toi toujours que les gens que tu as rejetés lors de ton ascension seront les mêmes que tu rencontreras lors de ta chute. Alors ne cause pas aux autres des problèmes et ne rends la vie insupportable à personne à cause de ta position. Parce que si tu le fais, ils deviendront toujours ton principal problème un jour. Pour finir, même les tiges de bananiers sécheront et faneront. S'il te plaît, transmets ceci à tes amis parce que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupables. Si un jour tu as envie de pleurer, appelle-moi. Je ne te promets pas que je te ferai rire, mais je pourrai pleurer avec toi. Si un jour tu veux t'évader, ne sois pas effrayé de m'appeler. Je te promets d'être toujours à tes côtés. Mais si un jour tu m'appelles et que je ne réponds pas, passe me voir. Il se pourrait que j'ai besoin de toi. Une chose est sûre, un jour, l'un de nous deux ne sera plus de ce monde. Et à ce moment, il sera trop tard pour chérir l'autre. Les larmes couleront, mais je serai déjà loin, voire trop loin. Alors transmets ceci à chaque personne que tu chéris. Je viens de le faire. Envoie ceci à tes meilleurs amis, peu importe la fréquence à laquelle vous leur parlez. Que les vieux amis sachent que tu ne les as pas oubliés. Les nouveaux, que tu ne les oublieras jamais. C'était votre ami Reginald. Que Dieu vous bénisse.